Est-ce qu'on me voit bien moi? Ouh, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois mettre la musique encore moi? Ah là là, attends. Oh, il a fait sortir le... Bonsoir famille. Là, ici, en plein job. Mais comme j'avais promis de faire la vidéo, j'ai dû faire une pause rapide là. Venez, venez, on va échanger un peu. Hein? Ça me fait rire déjà. En fait, la dernière fois, j'ai eu à attacher les femmes là. Donc, quand tu mets son tas, les femmes, c'est pas la peine. Elles m'ont écrit une box pour me demander, oui, mais tu as parlé de nous, tu nous as attaché tout ça. À quand le tour des hommes? Leur tour est arrivé. Venez vous asseoir. Bonsoir, bonsoir, Edwige PC. Je vais vous saluer un peu. Il n'y a pas de musique de soutien aujourd'hui. Hein. Là, vraiment, c'est un deux rendez-vous que j'ai décidé vraiment de poser la vidéo. Donc, connectez-vous assez rapidement, on va causer. Et puis, quand on va finir de parler. J'ai rencontré une dame à la banque, à ma banque, je vais dire comme ça. Et puis, elle m'a trop fait rire. Quand elle m'a vu, elle dit, toi là, dès que j'ai vu dans la vidéo, tu as dit, les femmes, venez vous asseoir ici, là, il y a zappé en même temps. Parce que vraiment, moi... Dès que tu t'attaques à nous, moi je n'écoute pas. Il dit, mais les femmes, écoutez. Lena Alexès, bonsoir. Dea Togbe, bonsoir. Justine Kofi, coucou sœur. Landry Nouland, ah, les hommes sont là aussi. Menkape Marcel Joël, bonsoir. Bonsoir à vous. On va parler, on va causer, on va échanger. Actuellement, là, l'équipe nationale du Gbére a tenu ses oreilles comme ça. Saint-Ich Emma, bonsoir. Esther, bonsoir. Elles ont tendu leurs oreilles comme ça pour écouter. Justine Kwame, bonsoir. Oh, connectez-vous. On parlait d'un sujet aujourd'hui. Aouri Traoré, bonsoir. Véronique Yaoungessan, bonsoir. Bon, moi, je n'aime pas trop faire patienter les gens. On est déjà passé là-bas des 200 abonnés. Des 200 connectés plutôt, c'est en train de grimper. Ils vont nous prendre en cours. Voilà. La dernière fois, j'ai parlé des caleçons bizarres des femmes. De la lingerie bizarre. Marceline Jennifer Kahn, bonsoir. Jocelyne Gabla, bonsoir. Bénédiction surabondante, bonsoir. Alors, j'ai parlé, je vais rentrer dans le vif du sujet, on va parler. Sinon, si on commence à saluer, ça sera compliqué qu'on s'en sorte. Alors, j'ai parlé la dernière fois de la lingerie de certaines femmes, hein, cette capacité à se délaisser dans le foyer. Et puis, voilà, beaucoup, beaucoup de choses dont j'ai parlé. En tout cas, la vidéo, là, j'ai senti que ça vous a fait mal. La vidéo, là, non, Yedjo. Moi, mais c'est que j'ai eu une inspiration, c'est une illumination que j'ai eue. Ça, j'avoue, Yedjo. Mais en fait, les femmes doivent comprendre que quand souvent je fais mes vidéos là, le but, c'est vraiment pas d'insulter. Le but, c'est pas d'être désagréable. Le but, c'est d'être capable de dire la vérité avec des soupçons d'humour qui vont permettre que le message puisse passer. Je veux pas m'ériger en donneur de leçons, non. Moi, je donne mon point de vue. Mon point de vue peut ne pas être ce que vous attendez, mais tirer ce qui est bon dedans, laisser ce qui est mauvais. Je pense que c'est mieux comme ça. Mais ne prenez pas ça à cœur, parce que dès qu'on me voit, ah, c'est toi qui nous attaches, je suis pas un attacheur. À vrai dire, j'aime ça. Hein. Mais c'est pas... Ah, oh, les femmes m'ont souffert de ma main. Assez de commentaires. Aujourd'hui, on parlait des hommes. On parlait des hommes, mais on va laisser de côté les caleçons. Pardonnez, parlons d'autres sujets. Hein, on sait que nous, nos caleçons sentent. Ça, j'avoue. Nos caleçons sont troués. On peut payer champagne. Et puis, même caleçon, là, ça fait 6 mois, c'est sur nous. Même caleçon de bébé, même en change. Mais pour nous, là, ça ne quitte pas sur nous. Je reconnais que on n'est pas dans l'esthétique. Nous, les hommes, on prend pas très soin de nous. C'est pourquoi quand vous tombez sur un gars qui sent bon, qui prend soin de lui, vous kiffez grave, quoi. Je comprends. Mais on compte sur vous pour que pendant nos anniversaires, vous puissiez nous offrir les caleçons trapézoïdales. Tu vois, il y a des caleçons qui ont des formes de trapèze comme ça, là. Des caleçons remplis de couleurs, comme si on était... comme si c'était un arc-en-ciel, là. Payez ça pour nous donner, hein. Parce que ça, vous savez faire ça. Payez ça pour nous envoyer. Et puis, on va porter. Vous avez aimé le conseil de la dernière fois, c'est qu'aujourd'hui là, vous allez adorer. Parce que ça, c'est fait pour les hommes. Alors, j'entre dans le vif du sujet. Il y a des hommes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, tu sais, d'autres m'appellent vieux père, d'autres m'appellent coach, d'autres ma banque, je prends tous les noms. Vraiment, nous allons vers nos femmes pour les solliciter sexuellement. Quand nous allons voir elles, que nous leur demandons de se disposer, quand il a dit le terme disposer, il dit, les hommes. Vraiment. De se disposer sexuellement, pouvoir accomplir leurs devoirs conjugaux, elles ne nous écoutent pas. Moi, c'est le truc que je n'aime pas. Et puis, ils sont nombreux comme ça. Hein. On va vers elle, elle refuse. Quand après, on se retrouve dehors, mais elle se plaint. Il dit champion. Toi-même, tu voulais être retrouvé dehors là-bas. Ou bien, toi-même, là, tu voulais être dehors un peu. Donc, tu as eu occasion, tu allais dehors. Sinon, normalement, quand j'ai un problème, c'est ça à régler avec madame. Au pire des cas, c'est qu'il n'y a pas d'amour.
quand il n'y a plus d'amour, bien il n'y a pas d'amour du tout, parce que l'amour peut finir un beau matin. S'il n'y a plus d'amour, on peut comprendre. Mais s'il y a un peu d'amour encore là, pardon, cherchez à régler ça entre vous. Ce n'est pas la peine de, voilà, de chercher dehors. Ce n'est pas ça la solution. Donc, ils m'ont écrit pour me dire vraiment, les femmes, elles ne se laissent pas faire. Quand on vient, nous donne le dos, elles font. Moi, aujourd'hui, je tenais à expliquer aux hommes des détails qui sont très simples. Et les femmes qui suivaient la vidéo, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, vous mettez un cœur, vous mettez un pouce, et puis on avance. Vous partagez, vous les taguez, ils vont se plaindre, mais laissons tomber. Alors, il y a trois raisons qui peuvent pousser une femme à ne pas accepter les avances sexuelles de son homme. C'est-à-dire, dans le lit, il vient la toucher, tu lui pieds, elle ne veut pas. Il y a trois raisons. La raison numéro un, soit elle t'aime pas assez. Parce que les gens ne prennent pas en compte ce détail-là. Il peut arriver qu'elle t'aime, mais elle ne t'aime pas assez. Femme qui ne t'aime pas, elle ne veut pas que tu la touches. Ça, je sais, on nous a montré ça il y a longtemps. Quand tu la touches, on dresse son corps là. Je ne sais pas comment j'ai appelé ça. Mais elle n'aime pas ça du tout. Elle n'aime pas, il ne faut pas la toucher. Elle préfère que tu la laisses. Ou bien, comme tu as l'argent, elle ne t'aime pas beaucoup, elle fait l'effort. Elle se sacrifie pour accepter. Mais arrivé un moment là, elle va toujours trouver des explications. Oh, j'ai mal au ventre. Oh, je dis là, ça ne va pas. Et j'ai tel problème. Et elle va toujours ajourner pour que peut-être tu puisses sortir elle, peut-être une fois, deux fois dans le mois, comme ça. Mais comme tu as l'argent, elle est là. Donc, l'affaire de l'amour même de la personne en question là, c'est une raison. La raison numéro 2 qui peut justifier qu'une femme se refuse à son homme, c'est soit elle n'aime pas ce que tu lui fais. Soit elle ne peut pas t'aimer. Soit elle n'aime pas ce que tu fais. Elle peut t'aimer toi. Mais ce que tu fais même là, elle n'aime pas. Parce que souvent vous vous plaignez, oui, tu sais, je viens vers elle, elle refuse. Mais toi-même là, quand tu viens là, tu fais quoi? Ça, c'est une bonne question. Le but, c'est pas de faire. Si tu viens faire ton truc, et puis à la fin, c'est toi seul qui es satisfait. Et puis elle est venue juste t'assister dans ton bonheur personnel. Ça peut pas continuer comme ça. Mais ça, c'est tellement simple. Ça peut pas continuer comme ça. Bon, toi, tu viens là, toujours tes 3 minutes chrono. Les gens, soignez-vous. Quand on dit aux hommes de faire un peu de sport pour avoir du cardio, quand on dit aux hommes de prendre des médicaments tels que Yigwe, quand on dit aux hommes de prendre soin d'eux, quand on dit aux hommes d'être athlétiques pour pouvoir donner le plaisir qu'il faut, ils nous écoutent pas. Tu as vu les retombées? 3 minutes chrono. Et moi, ce qui m'énerve quand ils viennent, genre pour lui, il va tuer quoi? Il vient, souvent même, c'est là la gauche se place bien parce qu'elle se dit, oh, je commence à sentir, je commence à ressentir. Elle prend la vraie position, c'est là. Monsieur, c'est-à-dire, il fait son visage comme s'il était électrocuté. Il est arrivé. C'est-à-dire, il a gâté le coin. Le drame, c'est que pour lui, il a tué, il se couche à côté. Oh. Et d'autres me voient jusqu'à faire. J'espère que tu as aimé. En fait, non. Et les femmes sont hypocrites. T'as ta tête là, elle a envie de. Elle veut te placer de ses cocotés, non. Tu peux imaginer. Genre, il a trop tué quand il se couche. Là, et puis, tu fais un petit sourire, lequel il a trop tué, quoi. Et puis, il se couche. Mais ça, là, ça énerve. Donc, attends. Tu es venu, tu as fait ça une fois. Tu as fait ça deux fois. Arrivé à la quatrième, cinquième fois, quand tu viens là, elle dit elle est fatiguée. Parce que c'est que tu as venu là, tu ne pourras rien créer. Donc, aussi, ça peut être un problème qui fait que quand tu viens la solliciter, ben, n'a pas envie. Ou bien, trouve des excuses, elle trouve des subterfuges. Est-ce que tu vois? Non, il vient un peu. Vous riez déjà. Oh, j'arrive. La troisième raison, excusez-moi, qui peut justifier qu'une femme se refuse à son homme, c'est que le timing est mal choisi. Calculer le temps qu'il faut. Planifier le ken. Planifier. Il y a des moments où ça ne passe pas. Parce que les gens pensent que c'est un robot. Même pour poupée sexuelle, là, il y a des moments où pile finit dehors, il y a quelque chose. Souvent, là, il y a des étapes où ça ne passe pas du tout. Parce que la femme, pour qu'elle se donne, c'est un truc psychologique. Ça se passe bien. Quand elle est bien dans sa tête, elle est bien, les conditions sont réunies, c'est plus facile pour se donner. Elle va se refuser. Pourquoi? Sinon, entre nous là, quand on parle de. Bon, j'aime pas ce terme, mais quand on parle de mougou, quand on parle de coucher là, les femmes aiment coucher que les hommes. Mais en fait, les femmes aiment coucher que les hommes, c'est parce qu'en fait, vous pensez que c'est vous qui aimez ça. Elles aiment ça plus que nous. Elles aiment ça bien même. Mais peut-être vont pas le manifester, vont pas te dire comme ça qu'elles aiment ça. Sinon, elles aiment ça. Les femmes, écrivez si vous aimez. Écrivez pour que les autres lisent que vous aimez ça. C'est pas une affaire où c'est l'homme seulement plaisir de ça. Plaisir de ça. Oh, toi, tu plaisantes. Elles aiment ça bien. Mais le problème, c'est que elles savent camoufler. Elles savent cacher les jeux. Sinon, un gars qui fait les préliminaires, qui fait tout ce qu'il faut, elle est dans ton. Il y a des femmes qui sont colères, des hommes, rien qu'à cause de ça. Quand tu vois souvent le gars n'a rien, puis elle est collée là-bas, d'après toi, c'est quoi? Ça fait d'amour. Mais si jamais tu ne lui donnes pas son quota de plaisir qu'elle doit recevoir là, vous allez faire palabre. Palabre de ça, là, ça finit. C'est un palabre générationnel. Tu peux imaginer? Mais là, vous êtes là, non, je ne me donne pas, Mais arrivé un moment là, il faut que tu sois capable aussi d'assurer, d'assumer. Elles sont nerveuses comme ça, au volant des voitures. Elles klaxonnent pour rien, cri, cri, sur noir. Elles sont insatisfaites sexuellement. C'est des frustrées sexuelles, je te dis. Elles sont nombreuses comme ça, Abidjan. Elles sauvent l'apparence, elles sourient comme. Mais elles veulent se faire fracasser. Mais le gars ne la fracasse pas comme il faut. Je te dis, le gars, il vient de. Tiens, les gars. Bon, celle-là qu'on a parlé, vous avez dit. Ah,
Bon, et taguer les gens, identifier, y a parlé. On causait. C'est causerie, hein? Le soir, est venu vraiment causer à vous. Hein? Excusez-moi. Donc, voici les choses qui peuvent justifier. Mais vous pensez que c'est vous seulement qui aimez ça. Vous, votre plaisir, vous prenez peut-être, ça vient vite. Mais pour elle, là, ça dure. Mais, les femmes aiment ça. Les femmes l'écrivent en bas. Bon, je ne sais pas si vous m'arrivez à venir. De toute façon, c'est doux. Bon, imagine le gars que tu aimes, ton crush, ton gars que tu aimes, qui est performant, qui te met bien. Les mains, la langue, tout fait bien le travail. Mais elle sera connectée à chaque fois. C'est elle-même qui vient te chercher dans le lit. Et puis, il faut que les hommes comprennent qu'en fait, les femmes là, les femmes ne sont pas directes comme nous. Vous voyez, non. Les femmes là, elles ne vont pas venir te dire, ah champion, allons dans la chambre, allons. Elle ne va pas faire comme ça. Mais elle va le faire de façon très subtile. Elle va le faire de façon à ce que, pour te faire passer le message. Mais les hommes ne sont pas concentrés. Les gars, ils ne sont pas concentrés. Mais il y a des hommes qui sont sauvages. Mais il y a des hommes qui sont... C'est des aborigènes. C'est des agricoles. C'est des grégaires. C'est des hommes qui viennent du livre de la jungle. Ils ne comprennent pas les messages subliminaux. On appelle ça appel masqué. Appelez GT, ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'elle fait ça là? Elle est en train de te dire, petit, viens, 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 on se met bien. Mais l'élément, il ne comprend pas. Il est distrait. Il est dit, je vais vous parler des messages. Je vais vous expliquer un peu. Quand la go veut, elle a des attitudes. Souvent, ça quand même signe par le regard. Elle a une façon de te déshabiller du regard. Vous pensez que c'est vous qui aimez regarder les bonnes choses. Elle te déshabille du regard. Elle te tourne autour comme ça. Tu ne sais même pas qu'elle s'échappe. Elle est là. En tout cas, elle est là. Elle tourne. Et puis, elle te provoque. Elle t'emmerde. Elle te fait chier pour rien. Elle te fait bavarder pour rien. Elle te taquine cadeau. Toi, dans ta tête, là, elles sont trop ennuyées. On est en train de te dire ce qu'on veut. Toi, tu es trop ennuyée. Elles-mêmes, elles ne vont jamais dire. Femme même là. On dit que quand la femme communique le plus, c'est qu'elle ne dit rien. Bon, quelqu'un comme ça, là, c'est toi, tu comprends. On dit le summum de la communication chez la femme, là. Pour te parler même, pour que tu comprennes, elle ne parle plus. Ça veut dire dans son silence, elle est en train de tout expliquer. Bon, quelqu'un comme ça, là. Quelqu'un comme ça, toi, tu veux comprendre. Quelqu'un, Dieu t'a fait dormir pour la créer, c'est elle, tu veux comprendre. Dieu lui m'a fait femme, il n'a pas pris aussi, c'est elle, toi, tu veux comprendre. Il dit, il faut les aimer, on va partir. C'est le gouvernement national est réuni actuellement. Ils vont me faire parler le soir, là. Les hommes, souvent, les viennent jusqu'à. Les gens ne comprennent rien. C'est-à-dire, eux là, il faut venir, tu vas ouvrir tes jambes. Et puis lui, il dit, ah ouais, André, viens. Hein. Comprend pas les choses subtiles. Il n'est pas dans la subtilité. Il est dans la vulgarité. Il est dans tout ce qui est superfétatoire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un truc comme ça qu'il aime. Il ne va pas venir te dire ça comme ça. Il y a un petit topo, il a dit, taguez-les. Et puis, envoyez-les. Bon, comme vous ne pouvez pas dire. Moi, je vais leur dire pour vous. Et puis, vous allez faire la commission. Vous avez compris? Il y a trop de docs. Il y a trop de docs. Souvent, j'observe et je dis, les hommes. Le petit massage. L'affaire du petit massage. Vous voyez, souvent, les filles sont là. Les femmes sont là. Et puis, pour rien comme ça, elles changent sa voix. Quand elles veulent faire les bêtises, elles vont changer. Elles la connaissent. Elles font les voix comme les voix des jouets des bébés là. Elles font, bébé. Et puis, elles d'une façon là. Bébé, je suis fatigué. Tout mon corps me fait mal. Mon cou me fait mal. Je me suis. Mon corps, mon pied me fait mal. Pardon, fais-moi un petit massage. Champion. C'est dedans. C'est le moment de confirmer, petit. On te dit, on est fatigué. Viens masser. Je dis, élève. Non. Ah, toi aussi. Quand tu aimes trop te promener. Bah, tu dis que soit tu dors, voyez, ton corps te fait mal maintenant. Hein? Il faut aller prendre. Laisse paracétamol. Vous savez. Arrête-moi ta connerie, on dit de venir confirmer, on fait quoi par cette parole? C'est toi qui marche mal toute la journée, il crie sur toi, ou bien il commence à faire, ah mais tes pieds te font mal. J'ai vu une vidéo sur internet là, on dit de mettre sel dans l'eau, tu vas mettre tes pieds dans l'eau chaude. Hé, hey, champion, laisse ça là. Il y a bon ken. C'est pas massage seulement, elle veut. Derrière massage là, elle veut faire. Derrière massage là, il y a un autre message. Mais vous ne comprenez rien. On vous dit, on vous envoie les docs, vous ne comprenez pas. Quand demande massage, c'est que dans le massage, tu as la touché. Dans le massage, tu as l'appuyé. Dans le massage, tu as la caressé. Elle veut se faire bichonner. Elle veut de la sentir. Elle veut que tu t'occupes d'elle. Elle veut capter toute ton attention. Elle veut que tu la touches tout. C'est là qu'elle demande massage. C'est là qu'elle demande massage. Massage normal, c'est dit quand tu finis. Et puis imagine même, quand elle veut faire massage, comment elle fait? Le champion, comment elle fait massage là? Elle finit, elle se lave bien. Elle se met dans un petit dangereux caleçon. Et puis elle vient se mettre sur le lit. Elle dit non, faut me masser. Bon, toi, d'après toi, là, c'est quel massage ça? Tu comprends rien. On t'envoie les docs, tu es là, tu es distrait. Hein? Massage, là, c'est que souvent, même massage, quand massage est bien fait, la massage même finit pas. Les caleçons s'envolent, on ne sait pas à quel moment
En même temps, c'est fait. Parce que normal, le plaisir est déjà pris à moitié quand tu la touches bien. Est-ce que si on te dit préliminaire, tu ne vas pas faire au Nyoli, tu as tombé ciel. Est-ce que Grégoire, tu ne feras pas ça. Tu vas venir comme Rocky la brute, tombé ciel. Donc, est-ce que si elle passe par le massage, tu vas la masser et après tu vas l'appuyer. Donc, elle se dit, bon, tant qu'à faire, appelons le monsieur pour qu'il vienne, il me masse et puis après ça finit là-bas. Mais toi le grégaire, toi l'agricole. Quand tu fais bien masser là, il rassemble son nez vers son front ici, il est fâché. Ah, il est en train de bouder. Ah, t'as mis un peu les trucs comme ça. Un peu son manga vient te masser. Moi, ça t'est taillé. Tête-toi. Oh, vraiment, c'est pas possible. Et puis, quand tu insistes jusqu'à il vient là, il fait ça, il se jette quoi. Il vient. Oh, les hommes. Il prend beurre de karité là. Il prend beurre de karité là, non. Il te tartine, c'est-à-dire. Il te badigeonne comme si tu étais une tranche de bœuf. C'est-à-dire, il te fait une marinade. Oh, il y a des gens qui sont nuls. Il te fait une marinade, non? Il t'englobe. Hey! Mais en fait, il t'enveloppe de beurre de karité. Et puis, il commence à faire un cercle comme ça, circulaire comme ça. Comme s'il avait le derrière d'une mammite. Oh, mais aucun style. Ah, bouga, bouga, comme s'il rabotait une planche. Ah! Souvent, même là, il est en train de faire. Sa mère suit son portable comme ça. Comme ça. Et puis là, il défile. Mais il a la télé. Il est distrait. Souvent, au milieu du Maasai, là, les gens ne comprennent pas. Au milieu du Maasai, qu'est-ce qu'elle fait? Quand il fait son cou, il dit mon cou là, c'est fini. Il me servait mon pied. Et massage des pieds, c'est trop doux. Massage des pieds, il y a quelque chose de mystérieux dedans. Dans massage des pieds, là, il y a un truc dedans, tu peux pas comprendre. Parce qu'en fait, si un homme arrive jusqu'à te masser les pieds comme il... Mais tu es détendu comme ça, la fatigue descend. Hein? Les gars là, ils sont pas prêts. Il fait comme ça, il rabote comme ça. André, il est en train de laver une mamie, t'es grillage. Ah pourquoi? Ah pourquoi? C'est-à-dire, il te malaxe comme ça, comme de la farine. Il te tord dans tout le... Ah, toi, mais tu sais même plus si c'est du plaisir ou bien si c'est une maladie ou bien c'est une vengeance. Tu... Hey! Et puis un peu seulement, c'est bon, non? Quand tu fais non, faut compter. Ah, moi, c'est. Oh, vraiment. Et puis, il s'en va. Termine le job, champion. Termine le job. Oh, vraiment. On me demande comment Yessi. Yessi est un homme. Est-ce qu'il ne connaît pas? Yessi, il connaît? Oh, ils ne comprennent pas les messages. Ils ne comprennent pas les tiailles. Ils ne comprennent pas le système. Ça, là, c'est dit viens faire. Viens faire. Mais avant de faire, là. Donne-moi un peu d'abord du plaisir. Vous, les gens ne comprennent pas que le sexe pour la femme, là, c'est comme une récompense. Vous n'avez pas conseillé ça. C'est du genre, tu as fait un truc, tu as tué. Et puis elle te dit, tiens, il faut prendre. C'est comme ça qu'ils font. C'est pas de leur faute, c'est comme ça qu'ils pensent. Donc, champion, souvent le sexe, là, tu t'en cherches ça. Normalement, moi, je lui dis, tu l'as massé bien de la tête aux pieds, tu as pris ton temps, tu l'as bien touché. Tu veux la déshabiller, elle va refuser comment? Comme ma mère, Teria, pour dire, elle veut pas. Elle-même, là, elle a dit à chaude comme ça. Les bouts de seins sont arrêtés. Oh, je ne veux pas rentrer, je ne veux pas être grossier, en fait. Mais tout est déjà fait, c'est là. Mais on dit, masser, tu veux pas. Tu te fâches. Tu cries dans la maison, tu es nerveux. Et tu n'as pas remarqué à l'heure où elle demande massage. Tu ne sais pas à quelle heure elle demande. Bon, bref. Donc, le premier point, c'était le petit massage. C'était ça le premier point. Est-ce que vous voyez, il y a noté des trucs ici. Maintenant, il y a autre chose. C'est que les gens ne se rendent pas compte que les femmes sont émotionnelles. Il y a des actions qu'on pose, ça déclenche quelque chose. Et des actions. C'est-à-dire, normalement, je parle des petites actions, tu vois, les petits messages, les petits appels dans la journée, les tu me manques, j'ai hâte de te voir le soir, prépare. Les petits messages coquins, ça la prépare mentalement et psychologiquement. Imagine, elle est en train de bosser comme ça. Elle est en train de travailler. Je ne dis pas d'aller jusqu'au nude, hein. Elle est en train de bosser, en train de travailler. Puis tout d'un coup, elle reçoit un message du crush en question. Petit message sexy comme ça. Oh, j'ai aimé. Je pense à tes courbes actuellement. J'ai envie de te faire des trucs défendus. Tu vois, les trucs comme ça qu'elle reçoit, elle est contente psychologiquement. Elle est en train de se préparer et dit, ouais, des choses doivent se passer le soir. Mais vous surprenez, c'est-à-dire que vous êtes comme des chasseurs. Vous bondissez sur la proie. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que quand vous venez à des heures là, assurez-vous que la femme n'est pas faite. Comment tu peux tomber sur quelqu'un comme ça? Ou elle est en train de ronfler à 3h du matin, elle est fatiguée, elle est en train de dormir. Tu la surprends. Comme un policier qui a attrapé une voleuse. Et tu lui prends la main, tu luttes sa main et tu mets dans ton caleçon pour lui montrer que tu es dressé. Il n'y a même pas quelque chose de glamour. Il n'y a même pas. C'est même pas stylé. C'est même pas chic.
Bon, quand tu fais ça, et puis tu dis, elle, en même temps, comme c'est un robot là, en même temps, mettez cette habillée. Non! Tu ne caresses pas les gens, tu ne touches pas les gens, tu ne dis pas les mots chic, tu es là comme ça. Tu quittes au travail, même tes mains sont nues, comme un mâcheur pacifique. Toi, tes mains sont toujours vides. Quand on demande, bébé, tu m'as envoyé quoi? Ah bon, je t'ai envoyé quoi? Ah, il n'est pas rien. Moi, mais sur la route, là, on regarde dans les mains, les petits chassés noirs, là, tout ça contribue. Il y a des cadeaux quand tu fais là, elle-même là, elle est là-bas et puis elle mouille, elle est pressée que tu rentres. Ça dit, il y a des. Hey, Seigneur. Imagine quoi, elle au travail, elle assise comme ça. Et puis on lui offre un bouquet de 12 roses rouges. Ça dit, quand le bouquet même rentre là, elle est pressée d'entrer à la maison. Mais comme on vous connaît là, vous n'allez pas payer ça. Par contre, si c'est pour payer demi-casier de Guinness, ça vous êtes fort là, détend. Si c'est pour aller payer billets pour vos amis, vous êtes les premiers. Mais quand on dit de faire des trucs chics, jolis, les petites montres, les petits cadeaux, ça, vous n'êtes pas prêt pour ça. Et après, vous êtes étonné. Et quand tu finis de te combattre la nuit, tu es, on dirait, il ne sait pas si c'est comment j'ai les appels. On dirait un mercenaire. Il est comme ça. Il te guette comme ça. Et puis, il bondit sur toi. Mettez le cœur. Bon, et vous là, au lieu de venir vous asseoir dans mon direct pour rire, pour être contente là, mon spectacle là, c'est le 7 novembre. Dans trois semaines, même pas moins de trois semaines, c'est mon spectacle. Toutes celles qui disent qu'elles aiment juste Crépin Gondo, toutes celles qui disent qu'elles m'apprécient énormément, je vais laisser les numéros en haut. Achetez les tickets, payez les tickets, payez les tickets, payez les tickets. Les places 15 000, les places 10 000. Vous voyez, ce genre de sujet là, on va faire ça maintenant en live. Ça là, j'ai écrit ça matin. Imaginez quelque chose, on a pris le temps pour écrire tout le temps. Vous pouvez pas parler au gars, attrapez-le, emmenez-le moi, j'ai lui parler. Il y a plein de sujets comme ça, j'ai écrit sur eux. Quand ils vont sortir de là, ils vont rire, mais ils vont dire, André, le gars est la joie. Et puis, ils vont être transformés. Payez les tickets, là, on va quitter ici. Ah, payez les tickets, là, comme si vous taguez les gens, prenez les tickets pour vos maris, pour vos amis. Venez en boigny. On va passer un bon moment. Là, les gens sont en train de commander les tickets. En quelques jours, ça a fini. Vous avez dit non, juste que on attendait, on n'a pas eu les tickets. Donc, il y a ça. Revenons à notre affaire, je suis dessus encore. Parce que vous devez comprendre que c'est tous ces détails-là qui font que l'amour est chic. Et ça qui fait que l'amour est intéressant. C'est ça même. Mais si tu ne confirmes pas tous ces petits détails... Regardez, je vous prends un autre exemple qui est simple. Que les femmes ne comprennent, que les hommes ne comprennent pas plutôt dans l'attitude des femmes. Souvent, elle est en train de travailler, tu arrives du boulot. Bon, on vous connaît, vous n'allez pas faire de bisous. Mais quand vous allez rentrer, on dirait un inspecteur du travail. C'est-à-dire qu'il rentre là, sa tête tourne comme ça, il est en train de guetter tout ce qui n'est pas normal à la maison. Eh, pourquoi ça l'a déposé ici? Pourquoi lui, il a fait comme ça? Pourquoi les enfants font du bruit comme ça? Pourquoi ça n'est pas rangé? Oh, ça, c'est quelle maison, ça? Champion, tu viens d'arriver. C'est vous qui faites que souvent on est content que vous soyez dehors, que vous ne rentrez pas vite. Mais quand tu arrives là, pardon, tu as trouvé enfin des gens en train de travailler, en train de faire. C'est enfant de quelqu'un aussi. Souvent, même là, celle qui souffre le plus, c'est celle qui quitte au travail et puis elle doit venir à la maison encore faire les tâches ménagères. Parce que toi, si ce n'est pas ta femme qui prépare, toi, tu ne manges pas la nourriture de quelqu'un. Mais quand c'est comme ça, là, sois clément. Quand c'est comme ça, sois gentil un peu. Quand soit compréhensif, ce qui fait votre amour est lourd et puis c'est bizarre là. C'est parce que vous êtes incapable de vous mettre à la place des gens. Vous n'êtes pas capable de dire c'est enfant de quelqu'un aussi. Vous n'êtes pas capable de dire j'ai la décharger un peu. Vous avez horreur des tâches ménagères. Vous avez horreur d'aider les gens dans la cuisine. Normalement, quand tu viens la trouver et puis elle est en train de nettoyer la maison. Elle est en train de travailler et puis elle a plein de choses à faire. Et puis tu la vois en train de tourner comme ça, elle est sur champion. Si tu veux qu'elle se donne à toi, c'est-à-dire, elle prend une position, la position du corbeau en délestage, c'est-à-dire la position du singe effrayé, c'est-à-dire les positions que tu n'as jamais vues là, si tu veux qu'elle prenne ça là. Essaie d'aller donner un coup de main dans les tâches. Champion, 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 tu as tué le game. Genre, elle est en train de faire, et puis souvent quand tu arrives, elle boude, elle est fatiguée. Tu sens dans sa mine qu'elle est fatiguée. Tu peux même pas la prendre dans tes bras pour lui faire un bisou, pour lui dire vraiment, hey, assieds-toi un peu, repose-toi, fais comme si. Bon, comment je peux t'aider? C'est le truc. Bon, ne prépare pas. Je vais commander une pizza ou bien je vais acheter un truc dehors, on va manger pour que tu te reposes un peu. Ah, tu as la lessive à faire. Bon, attends, tu gères ça. Moi, j'ai géré tant. C'est pas vous, votre cas. Tu as pas fait, hein? Mais tu as tes plaintes. Tu as pas fait. Et puis, moi, ce qui m'énerve, il vient, non? Donne-moi ce reconnaître. Il vient, non? Il plie ses pieds, non? Il croise ses pieds comme un héron, tu vois, non? Et puis, il est assis dans le fauteuil. Il a sa télécommande en main, tu vois? Et puis, son visage change comme ça. Il te guette, hein? Tu sens qu'il t'attend. Ta main, tu es au courant. Les hommes ne cachent pas. Vous cachez, les hommes. Il te regarde comme ça. Quand tu passes ça, il est là comme ça. Il regarde ton pagne. Il regarde ta forme. Il a un sourire un peu bête qu'il fait là. Pour te dire qu'il t'attend. Mais si tu l'attends, pour accélérer le mouvement là, si tu l'aides, ça fait quoi? Pourquoi même être romantique là, même là?
quand Dieu donnait ça aux hommes-là, vous, il a fait votre rang à côté. Normalement, quand tu viens, tu l'aides. Et quand tu l'aides, vous le terminez ensemble. Ou bien tu la décharges, ou bien tu la comprends. À la limite, quand vous rentrez, que votre femme se plaint. Parce que souvent, bon, elles sont fortes dans le boudeau aussi. Les directrices générales du Boudivois, l'entreprise de toutes les boudeuses. Donc, elle commence à bouder. Elle va faire, hey, vraiment, travaille beaucoup. Hey, je dois laver ça. Je dois faire. Tu sens qu'elle est fatiguée. Champion, elle veut trois choses. Numéro un, elle veut de la compréhension. Elle veut que tu puisses comprendre que ce qu'elle est en train de faire, c'est difficile. Parce que vous, habits même qu'on vous donne pour laver là, colle là. Vous mettez, vous faites, vous mettez. Mais c'est vous, vos yeux là, ça voit où qui n'est pas propre. Mais toi, mais c'est pas laver habits. Mais c'est vous qui savez. Donc, ce qu'elle veut, c'est d'abord de la compréhension. La compréhension, c'est-à-dire que, ah, vraiment, B, oh, tu es fatigué. Souvent, même, tu peux la blaguer. Ma femme travaille, oh, j'ai une bonne femme. Regarde comment elle travaille là-bas. Ou bien, tu achètes du vin. Les hommes savent. Eh, Seigneur, tu as du vin dans la cave que tu sors. Et puis, quand tu finis là, tu prends ses pieds, tu mets sur toi. Tu déposes le vin, vous sirotez. C'est-à-dire, elle fait une petite pause de 15 minutes. Et puis, tu lui dis, va terminer ton travail. Je prends un bain, je t'attends dans le lit. Champion, champion. Ça, on n'a qu'à te dire en quelle langue. Ça là, pourquoi les bonnes manières vous dépassent? Pourquoi vous n'avez pas un genre, un style, un truc qui fait qu'elles aiment? Taguez-les. Oh, les gens vont me faire parler. Pourquoi vous ne faites pas ça? Mais tu viens, tu t'assois, hein, le héron, il met ses pieds sur la table, il entend la télé. Il va regarder tous les programmes, là, c'est toi, il attend, hein. Il va regarder tous les programmes de télé, il va regarder tout. Il attend pour aller faire ses 3 minutes. Il va regarder tous les programmes jusqu'à. Et puis il fait. Ah, toi, t'as pas quoi venir. Ah, depuis là, moi, c'est tout. Faut faire ça venir, il a dormi. Hein. Champion. Champion. Faut plus faire ça. Champion. Tu vas donner, faut plus faire ça. Faut plus faire les choses, quand c'est pas bien. Sinon, quand elle se plaint là, c'est pour 3 choses. Première chose, elle veut de la compréhension. Deuxième des choses, elle veut de la reconnaissance. La reconnaissance dit que. C'est-à-dire, la femme se nourrit d'attention. Elle est audible. C'est-à-dire, elle entend les bonnes choses, c'est les choses agréables qu'elle veut entendre. C'est pas là que tu as venu soulever les lourds problèmes pour mettre sa tête. Non. C'est pas là que tu as te plaindre de certaines choses. Elle veut que tu sortes un compliment. Le compliment, c'est gratuit. Pourquoi vous êtes avare dessus comme ça? Compliment, on ne paye pas. Compliment, c'est cadeau. Bon, normalement, là, ça, là, tu dis un mot gentil, même si tu ne le penses pas, dis-le. Excusez-moi. Même si tu ne le penses pas, dis-le pour que vraiment elle puisse se sentir bien. Flatte-la un peu, elle sera contente. Elle va laver les assiettes, vite, vite pour venir. C'est pas ça. Donc, deuxième chose, elle veut. De la compréhension. Après, comme j'ai dit, elle veut de l'aide. Donc, c'est les 3 choses qu'elle veut, qu'elle est en train de travailler comme ça. Mais tu l'attends pas, quoi. Et puis, après, tu sais, le sexe a besoin d'un cadre pour être bien défini, pour être bien manifesté, pour être intéressant. Mais il faut vraiment que les hommes soient éduqués sur comment prendre soin d'une femme. Je sais pas, depuis que je suis en train de réfléchir, il faut que j'écris un livre là-dessus. Quand j'ai fini de faire que les gens vont comprendre, je pense que ça va aider beaucoup d'hommes à évoluer. Mais il y a des hommes qui ne comprennent pas les femmes et ils s'en plaignent constamment. Moi, j'ai pris le temps, j'ai lu, j'ai étudié, je les ai regardés, leur attitude. J'ai commencé à comprendre un peu. Elles ont des attitudes différentes. Elles ont des périodes où les ovules les fatiguent. C'est-à-dire, souvent même dans sa tête, avant que tu quittes au travail, dis-lui là, s'il attrape le soir, il va voir. Quand il va venir là, il lui fait des trucs. Mais quand ton modèle là vient, quand ton modèle là rentre, ta façon même de faire, tu l'as découragé. Elle n'a même plus envie, elle s'est dit, bon, lui là-haut. Bienvenue, il va pas truc. Il va. Ah, c'est pas facile. Hein? Alors, il y a quel autre point encore? Alors, souvent, ça se passe par j'ai froid. Tu vois, les histoires de j'ai froid, ou bien elle veut. Les gens, c'est subtil. Il y a des jours comme ça où tu vois ta femme, elle s'habille bien, coquette, elle s'est maquillée. Tu sens que elle veut te bousculer un peu. Elle se fait belle comme ça, jolie. Et puis elle sort. Elle va nulle part. Toi, tu la vois. Hey, tu vas où? Elle veut juste attirer ton attention pour dire, chef, on est dans la maison, derrière, tu ne me vois pas bien. Il est même promené un peu. Mais les sauvages, là, tu fais ça, ils s'en foutent. C'est-à-dire, ou même, ils ont perdu même la valeur de la jalousie. Ils ne sont même pas jaloux. C'est-à-dire, tu sors, tu fais, bon, ben je sens, hein. Il fait un bon. OK, bonne route. Il ne te regarde même pas. Ça énerve encore plus. Elle souhaite tout le gardien, elle vient s'asseoir. Ils sont dans le fond là. Elle va aller où? Elle ne veut pas aller se promener. Soit qu'elle fait non. Je vais aller voir mes copines. C'est parce que chef, tu es ennui. Tu es ennui et tu alourdis l'atmosphère. C'est pourquoi souvent, c'est ça. Elle va pour juste te dire sortons un peu. Baladons-nous un peu. Marchons un peu. Arrêtons d'avoir honte des gens. Vivons notre amour. Vivons notre love. La vie qu'elle a, on ne vit ça qu'une seule fois.
Soyez amoureux. Il n'y a aucune faiblesse dans être amoureux de tout. Je ne sais pas qui a dit aux Africains que quand tu démontres ton amour pour quelqu'un, c'est que tu es faible. Arrêtons ce genre de mentalité. Tu l'aimes, point. J'ai dit, aimons-nous vivants. Le temps, quand l'heure de pleurer va arriver, on va pleurer bien. Oh, tu as quel problème? Aime les gens. Aime enfin les gens. Si le temps de pleurer arrive là, on pleurait. C'est pleurer qui a nous fait quoi? Ça développe les poumons. Ça aide à une bonne respiration. S'il faut pleurer, on va pleurer. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que aimez les gens quoi. Déclarez vos sentiments. Arrêtez de les cacher, de faire les durs, de faire les machos. Et puis qu'on est entre nous. Si tu lui dis, tu aimes ta femme, ah oh ouais mon cher, on fait comment? Tu l'aimes ou tu... mon cher, bon, elle est là, hein. Il peut même... Champion, démontrez vos amours. Démontrez, quand c'est comme ça là, avec tout ce que je viens de citer là, comment tu vas venir la solliciter et puis elle va refuser. Quand tu finis de faire tout ça et que tu vérifies le timing, parce que souvent, il y a d'autres qui s'énervent. Quand la femme lui dit, vraiment, pas ce soir, bébé, pardon. Et puis vous aussi, j'allais oublier ça. Quand vous voulez dire non aux gens là, faites ça la manière un peu quand même. On ne boit pas les gens, ça fait mal. Douleur de ça. Hey, Mais souvent, on vous maudit jusqu'au matin. Souvent, on ne dort pas. Il n'y a pas une nuit qui est plus longue qu'un gars dont la femme l'a fait taper poteau. Oui, il était Dieu. Parce que souvent, il se lève sur lui, il prend ses billets, il est bien, il est chic, il est dressé, il vient. Il va mettre tes pieds, quoi, il fait non. Pas aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui nous énerve là, c'est quand tu es inspiré et puis tu vois un paquet de vanilla. Aïe, 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 aïe. Je vais me déchirer sa fringette. Oh! Le gars qui a fait vanille n'est pas bon, hein. Quand il répète, tu vois ça quoi? Oh, y a quoi même? Aïe, c'est pas facile, hein. Mais dans le fond, c'est tous ces détails-là qui jouent. On n'aime pas vanille. Oh, on a horreur de ça. Ouf, pour ça. Ouf, ouf, on n'aime pas. Quand on voit, puis on sait que les Anglais sont venus. Les Anglais. Les fameux Anglais. On les déteste. Mais qu'est-ce qu'on les déteste, ces Anglais-là? Hey, hey. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est donnant-donnant. Une femme qui se sent aimée, qui se sent appréciée, ne se refuse pas à son homme. Une femme qui aime son homme, qui reconnaît les efforts que son homme fait pour elle, elle ne se refuse pas à lui. Même qu'elle veut se refuser, elle le fait tact. Bon, il y a d'autres femmes aussi, elles te font « Ah, il y a quoi, femme, il essaie de vivre ?» On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Vous aussi, vous aimez ça. Ça là, ça, c'est dit « Insulter ma maman est mieux. » De toute façon, ça fait mal. C'est long, ça s'en fait trou, trou, trou. On se lève, on va au salon, on revient, on a les téléphones, on fait confort, on tourne jusqu'à là, on est en boule. Parce qu'on n'aime pas ça. Mais dans le fond, il me rend compte que souvent, la base même là, c'est que les gens doivent être capables d'avoir de l'empathie. Il faut qu'on arrête de se mettre en couple sans aimer les gens. Parce que vous savez, quand on aime réellement quelqu'un là, il y a des sacrifices qu'on supporte tranquillement. Il y a des choses que quelqu'un qui n'aime pas ne va pas supporter, il va se plaindre constamment. Mais normalement, vous devez comprendre qu'un homme qui veut de sa femme, qui aime sa femme, va avoir envie d'elle. Mais après, c'est des ajustements que vous devez faire. Vous devez comprendre l'autre. L'autre doit être capable de se mettre à votre place. Et puis, c'est ensemble, vous créez quelque chose de beau et d'harmonieux. Donc, les hommes qui m'ont écrit, qui sont fâchés, il y a d'autres qui disent que eux-mêmes, ils s'en vont dehors comme ça. Que oui, les poclés là, aujourd'hui, là, c'est 5 000, les prostituées là, c'est 5 000, c'est 10 000 vont là-bas. Ça ne sert à rien d'aller là-bas. Parce que c'est un cercle vicieux qui vous empêche souvent de pouvoir régler vos problèmes de couple. Parce que quand il y a un problème de couple, ça se règle d'abord. Aller derrière une prostituée, bien aller, ça ne va pas changer grand chose. C'est ta femme à la maison, donc vous cherchez à trouver une solution. Est-ce que je parle bien? Est-ce que ce que j'ai dit, ça vous plaît? Si ça vous plaît, laissez le cœur partager. Ah, j'aime pas cette méthode-là, mais bon, partagez. Mais moi, tout ce que je veux, tout ce que je vous demande comme cadeau, si vous m'aimez bien, si une vidéo de moi, vous l'avez appréciée, allez payer les tickets là. Je vais mettre le numéro. Payez les tickets, venez. On va passer un bon moment ensemble. Le dimanche 7 novembre 2021, à l'hôtel Palm Club, il y a un cocktail, il y aura des personnalités. Vraiment, ça serait une belle fête. On est en train vraiment de bosser actuellement pour que le spectacle soit à la hauteur des attentes, quoi. Donc, vraiment, faites l'effort. Et puis, venez, on va s'amuser ensemble, quoi. Parce qu'une affaire, c'est pas dit, j'aime bien, je t'aime bien, t'apprécies bien, oui. Mais ceux qui nous aiment vraiment, c'est ceux-là qui soutiennent nos initiatives. Hein? Et actuellement, là, ce genre de sujet-là, les loups comportements, on a listé jusqu'à nous-mêmes, là, d'autres qu'on est en train de barrer actuellement, là. Emmenez-les, on les torture. Emmenez-les, on va s'occuper d'eux. Paye et puis emmenez-les. Donc, c'est ça le problème. Les hommes m'ont écrit oui, en fait, voici. Je viens vers ma femme, elle ne veut pas de moi, elle me repousse, elle fait cela. Souvent, c'est le tact qui nous manque. Souvent, c'est la compréhension de la psychologie féminine qui nous manque. Sinon, quelle femme ne veut pas un homme qui est efficace?
un homme qui s'occupe d'elle comme il faut. Souvent, ce qui nous fatigue, c'est qu'on est dans la précipitation. Souvent, on est pressé. Et nous, dans la tête de beaucoup d'hommes, c'est le geste mécanique. Kourka, 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 là. C'est ça, on dit, il est tué. C'est pas ça. C'est même pas ça. Ça dit, ça doit être une danse. Ça doit être une harmonie. Une belle symphonie. Dans laquelle tu prends ton temps. Normalement, la faire l'amour et puis coucher, c'est pas la même chose. Coucher, là, c'est kourka, 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 kourka. Souvent, même là, tu as fini de faire. Elle n'a rien ressenti. Et puis, tu t'es levé, tu es parti. Par contre, si tu prends ton temps. Par contre, si tu y vas doucement. Par contre, si tu, il faut que les hommes apprennent à chercher à ce que les femmes prennent du plaisir dans l'acte. La première des choses que vous devez rechercher, c'est de vous assurer que à défaut de ce qu'elle a joui, au moins, elle ait pu mouiller copieusement, sérieusement, comme il faut. Ne vous pressez pas. On dit c'est elle là. Tu as fait kourka kourka, 3 minutes, tu dors. C'est ça. Et quand vous devez faire ça, prenez le temps de vous reposer. Moi, il y a un grand frère qui me disait que tout ce que tu fais, fais-le avec excellence, fais-le bien. Si tu sais que tu n'as pas bien fait, il faut laisser. Si vous sentez que physiquement vous êtes fatigué là, c'est un devoir conjugal, mais reposez-vous. Reposez-vous tous les deux afin que vos batteries soient rechargées pour que vous puissiez revenir. Vous n'êtes pas obligé de commencer à minuit à 1h, tout le monde est fatigué. Si vous reposez bien vers 5h, vers 6h, le goût du un coup avant d'aller au travail. Tu connais, c'est mystérieux, il y a quelque chose là-dedans. Comment la journée déjà va être bénie? C'est-à-dire, quand tu vois qu'il sourit comme ça au travail, le quota, il salue les gens, ça va, c'est que. La nuit, là, ils l'ont appuyé. Quand tu vois une femme qui vient au boulot, oui, bonjour, ma belle, bonjour, ça va, oh, tu es toute belle. Et ils l'ont appuyé bien. Et c'est le résultat de ça. Appuyez bien vos femmes pour que l'administration publique puisse bien fonctionner. Appuyez vos femmes pour ne pas que dans la circulation, elles klaxonnent, pim, 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 elle est nerveuse, elle est fâchée, elle est... on ne comprend pas. Faites bien le travail. Appuyez bien vos hommes. Appuyez-les bien. Au dehors est dangereux. Au dehors est risqué. Donc, si vous devez le faire, faites-le bien. Mais il faut que les hommes puissent donner aussi du soir. Ils puissent eux-mêmes aussi s'engager dans la relation. Ce n'est pas un plaisir personnel où on vient, on prend et puis on s'en va. C'est égoïste et c'est méchant. D'accord? Donc vraiment, je ne voulais pas que le direct soit plus long que ça. C'était vraiment un simple petit direct rapide. Je ne sais même pas combien de temps j'ai fait. Mais voilà, ce qu'on va faire, je vais commencer à dire au revoir à certaines personnes. Je vais partir. Si vous avez apprécié, il n'y a pas de problème. Alors, qui est-ce que je salue avant de raccrocher? Naturellement, connaît. Bye bye, je compte sur vous pour le spectacle du 7 novembre 2021. Pour ceux qui veulent aussi le produit, oui, il n'y a pas de problème. Je vais mettre les détails juste en haut pour que vous puissiez commander. Yao Kwadio Geoffroy, Esther, taguez-les, envoyez-les une box pour qu'ils puissent voir la vidéo. Ne les laissez pas, hein. Ne les laissez pas, parce que si vous avez fait une vidéo. Ah, Linda Zaourou, elle est célibataire. Eh, Seigneur, laisse un message là-bas. Il y a les varans qui sont là, les varans là. Eux vont regarder, d'autres vont réagir. Oh, affaire des célibataires, c'est pas facile, hein. Comme écrit, on dit on est célibataire. Et puis elle dit, on est bien, mon cher, c'est la rue. On peut pas trouver des personnes pour vous. D'accord? Donc, je vous laisse sur ce. Hein? Jobé, bonne journée à vous. Bye bye.